Les vents ont toujours généreusement soufflé sur les monts condrusiens. Et c'est à Siney, la capitale du Condro, que Luminus a implanté en 2011 un de ses premiers parcs éoliens, producteur d'énergie verte. On n'a pas choisi cet endroit par hasard, puisque ce site a été choisi après une longue étude sur les incidences liées à l'environnement. Et cette étude a démontré que les incidences étaient relativement faibles en termes de biodiversité. Les habitudes de la faune, susceptibles de fréquenter des lieux où des éoliennes pourraient être installées, sont toujours relevées et étudiées minutieusement. Il s'ensuit des adaptations, des plans d'installation et de fonctionnement du site. C'est des études qui sont longues, mais qui permettent de fixer des conditions d'exploitation propres à chaque site éolien, mais aussi de mettre en place, en parallèle, des mesures environnementales qui permettent de compenser les impacts résiduels. Aussi longtemps qu'existe un parc éolien, Luminus assure la compensation de son impact résiduel sur la biodiversité locale. À environ 5 km des éoliennes de Siney, une parcelle de 2 hectares louée à un agriculteur accueille des mesures compensatoires liées à ces éoliennes. Ici, on est sur une parcelle qui a été aménagée il y a à peu près une douzaine d'années. C'était une parcelle de culture. On a décidé de mettre en place différents aménagements, donc un pré fleuri, des mares, des haies, et de vraiment faire un refuge pour la biodiversité. En 2011, 8 petites mares ont été creusées sur cet ancien champ. Leur profondeur maximale est d'1,50 m. Les berges sont en pente douce, ce qui donne un accès aisé aux batraciens et une eau qui se réchauffe dès les premiers rayons de soleil. Même les oiseaux qui veulent venir se baigner dans les mares ont vraiment l'accès facile pour venir s'abreuver ou venir un peu se rafraîchir. Aucune introduction artificielle n'a été réalisée. Tant la flore que la faune se sont installées naturellement au sein de ces mares. Elles abritent plusieurs espèces protégées. Il y a du monde là-dedans. Le triton alpestre, c'est le triton le plus commun. C'est aussi le triton le plus facile à identifier. Dès qu'on l'observe avec un ventre orange vif, sans aucune tache, on sait que c'est un triton alpestre. Le triton ponctué, c'est surtout nouveau au niveau de la face ventrale qu'on va pouvoir observer les critères. Il aura une couleur plus beige, rosâtre, mais surtout il aura une gorge et un ventre qui est ponctué de taches, et donc des taches noires qui sont très marquées comme des gros pointillés. Et après, on part sur le triton palmé. Là, on va avoir une face ventrale et une gorge qui sont quasi absentes de taches. Et donc là, on aura même une différence très marquée chez le mâle palmé, où les pattes arrière ont vraiment ces palmes, les membranes entre les doigts. Ces espèces étant totalement protégées par la législation wallonne, il est absolument interdit de les manipuler librement. C'est donc avec l'autorisation du DNF que Faune et Biotope réalise ces relevés spécialement commandités par Luminus. Donc ici, il y a une démarche volontaire de la part de Luminus, c'est de réaliser des relevés faune-flore qui permet de montrer l'intérêt d'avoir créé ces différentes mesures de compensation. Et tous ces relevés sont encodés dans une base de données de la région wallonne, ce qui permet d'étoffer et de compléter toutes les données à disposition du DNF. Ben ici, ce qui est chouette, c'est qu'on vient d'avoir une nasse avec une série de têtards. Donc on a certainement des espèces communes comme dans toutes les mares, du crapaud commun, grenouille rousse, grenouille verte. Et puis alors on aura probablement aussi le crapaud halite accoucheur qu'on a eu sur le site l'année dernière. Et donc il est une espèce protégée et ça c'est un réel plus pour le site. On peut observer aussi une série d'insectes aquatiques, donc on peut trouver des dytiques, des notonectes, on peut observer également des gérys, donc ce sont les punaises d'eau, et puis tout ce qui est larves ou adultes de demoiselles et de libellules. Chez Luminus, une équipe entière est chargée de travailler sur les enjeux environnementaux. Elle met tout en œuvre pour que les zones spécialement dédiées à la biodiversité produisent les résultats attendus. Autour des mares, on a une prairie fleurie, qui est aussi une prairie maigre, donc qui est fauchée 2 fois par an. On exporte le résidu des fauches pour éviter d'enrichir le milieu, c'est pour ça qu'on appelle ça une prairie maigre.
Sur cette superficie, on a aussi des zones refuges, donc ce sont des zones qui ne sont pas fauchées. Ces zones, elles tournent tous les ans pour éviter d'avoir toujours la zone refuge au même endroit. En général, on les garde toujours près des haies et des lisières forestières pour que les insectes puissent venir s'y réfugier lors des fauches. Et après, lorsque ces fauches ont fini, ils ressortent pour recoloniser le milieu. Ici, on n'a pas encore un couvert fleuri phénoménal. On aura surtout une explosion début juin où le couvert aura pris énormément d'auteur, plein de couleurs, et les insectes vont venir butiner tout ce couvert. Et donc, on a derrière moi et autour de moi toutes sortes de touffes, de la centaurée, du compagnon blanc, du lotier corniculé, du trèfle, du plantain lancélé, toutes ces plantes qui vont attirer énormément d'insectes. Dans la nature, les lieux où convergent plusieurs biotopes abritent généralement une grande biodiversité. En plus des mares, du pré fleuri et de la forêt, naturellement présente en lisière de cette parcelle, un quatrième milieu a été aménagé sur une longueur de 350 mètres. Il revêt aussi un grand intérêt biologique. C'est la haie qui a été plantée sur plusieurs rangs, avec une sélection d'essences sauvages et indigènes qui est diversifiée, donc aubépines, prunelliers, noisetiers, charmes, sorbiers et encore d'autres, pour avoir une floraison la plus étalée possible. Floraison qui va permettre d'attirer pas mal d'insectes qui vont servir de nourriture également aux oiseaux. Et au niveau des oiseaux, on a la particularité sur ce site d'avoir pu observer en 2022 la pigrièche écorcheur. Donc c'est un oiseau qui est quand même inféodé au réseau de haies, qui est en déclin, et donc c'est vraiment une chance d'avoir pu l'observer sur ce site. On a aussi des espèces plus généralistes, comme le bruant jaune, qui va être observé régulièrement avec son chant très mélodieux et agréable. On constate que lorsque ces mesures compensatoires sont correctement aménagées et installées, on va pouvoir retrouver toute une série d'écosystèmes riches en biodiversité, comme par exemple ici des batraciens sur liste rouge de la région wallonne. Et ça, c'est vraiment très important pour Luminus de montrer que les mesures compensatoires ont un impact positif sur la nature. Et puis, faut-il le rappeler, la raison d'être d'un parc éolien est de produire de l'électricité sans engendrer d'émissions de carbone ou de résidus. Ceci constitue incontestablement un pas majeur en faveur de la nature. En luttant d'une part contre les changements climatiques par la production d'énergie verte, et en parallèle, en mettant des mesures environnementales, on arrive à un bilan global environnemental très positif.